Harry et Meghan, Netflix, cette décision lourde sans que prend la famille royale. Voilà, tout est dit. En 6 épisodes, Meghan Markle et le prince Harry ont expliqué les nombreuses raisons qui les ont poussés à rompre avec la monarchie britannique. En ligne de mire, le racisme dont Meghan Markle a été victime pendant de nombreux mois lorsqu'elle vivait au Royaume-Uni. Le prince Harry a expliqué avoir eu une discussion très mouvementée avec le prince William lorsqu'il a annoncé se retirer de ses fonctions. « C'était absolument terrifiant de voir mon frère crier et hurler après moi, de voir mon père dire des choses tout simplement fausses. Et ma grand-mère s'asseoir tranquillement et tout absorbée, une fois que je suis montée dans la voiture après la réunion. » On m'a parlé d'une déclaration commune qui avait été publiée en mon nom et au nom de mon frère. Elle étouffait le fait qu'il nous intimidait pour nous exclure de la famille. A déclaré le mari de Meghan Markle face aux caméras de Netflix. Forcément, tout le monde se demande comment a bien pu réagir la famille royale britannique face aux nombreuses déclarations de Sussex. Ce jeudi 15 décembre, quelques heures après la partie 2 du documentaire, Kate Middleton et le prince William ont effectué une sortie symbolique à l'abbaye de Westminster avec le prince George et la princesse Charlotte. Charles III et Camilla Parker Bowles les ont rejoints pour la soirée de jeter at Christmas, organisée par la princesse de Galles. Tout sourire, la petite famille n'a pas laissé poindre le moindre ressentiment envers les Sussex. Et pour cause. Comme le dévoile un intime de la famille royale au Mirror, les Windsor ont décidé de maintenir un silence digne face aux déclarations d'Harry et de Meghan. Certaines affirmations étonnantes ont été faites, mais la famille est déterminée à rester soudée et à garder un silence digne, a affirmé cette source. Preuve que la maxime Never Complain, Never Explain instaurée par Elisabeth II est toujours suivie par ses héritiers.